avec Caseball et la victoire pour Sans semble-t-il. Et oui, le bonheur du soir donc de la formation Vendée-Upé-la-Loire, Clémenceau, l'homme qui avait gagné l'étape de Rouen, ce camp du moins le vainqueur, Clémenceau de Vendée-Upé-la-Loire, obtient la victoire dans l'étape du jour. On l'a vu franchir la ligne, il s'est tenu la tête des deux mains, l'immense bonheur pour Clémenceau, vainqueur de l'étape, lui qui a gagné aux planches vendéennes, il a gagné le tour du pays de l'Estevin, le deuxième est Matthew Gibson de l'équipe Condor, le troisième est Camille Guérin du Vélo Club du pays de l'Oudéac, et le quatrième est donc Quentin Gouex de l'équipe YAM Excelsior. Donc victoire française aujourd'hui avec Clémenceau, le coureur de Vendée-Upé-la-Loire qui triomphe devant Matthew Gibson, le coureur de l'équipe JLT Condor. Donc le troisième est Camille Guérin du Vélo Club Pays de l'Oudéac. Alors que des coureurs ont été retardés sur chute, on a également Quentin Gouex qui en termine, chute survenue dans le dernier kilomètre. Voilà, je crois qu'on peut réconforter, applaudir les coureurs qui en terminent, pris dans la chute donc dans le final de l'étape. Et c'est le cas notamment de Nicolas Barguet, donc gardé du moins le coup.